Bonsoir à tous. Bon, il faut que je me tienne droit ce soir. On m'a demandé de me tenir droit. En fait, je ne sais même pas quel signe je vais faire. Donc, je vais faire les cancers. On m'a dit, ouais, t'as oublié les cancers et tout. Ben, je vais faire les cancers. Après, il me restera poisson pour finir cette saison Dragon Ball Z, mais je vous ferai un All Sign Dragon Ball Z et un Twin Flame Dragon Ball Z, et ensuite on va commencer la grosse saison. Et il va manquer quoi? Les poissons et les béliers? Ben, je vais tous les faire, je vais essayer de les faire ce soir. Donc voilà, ouais, il y a une abonnée qui est venue me voir, une nouvelle abonnée qui m'a dit, ouais, arrête de dire n'importe quoi et tiens-toi droit, et je suis pas d'accord avec ce que tu racontes. Ah ben, elle vient de me répondre là. Ah, c'est une Sagittaire en plus. Waouh. C'est une Sagittaire. Elle s'appelle Antiope. Elle s'appelle Antiope. Savage Viking Antiope. Alors au début, elle a commencé à me parler sur les lionnes, alors je me suis dit que c'est une lionne, mais bon, maintenant je sais que c'est une Sagittaire et ça m'étonne pas du tout. Mais bon, elle est arrivée, elle m'a fait un peu du rentre-dedans, genre, mais je pensais que c'était encore un abruti, donc je me suis dit, lui, je vais le défoncer. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait une photo, et j'ai vu code 5, code 5, vous pouvez aller la voir dans les commentaires, et j'ai vu qu'il y avait une photo. Et après, je suis allé regarder sa photo, et en fait, ben, j'ai vu qu'elle s'assumait. Et qu'elle avait un caractère super fort. Ces gens, pour moi, ce serait le genre de personne sur un champ de bataille qui me donnerait envie de prendre une épée, tel un guerrier spartiate, et de faire un carnage sur un champ de bataille, en fait. Enfin, si elle était à côté de moi, parce qu'on sent que c'est une guerrière. Antiope, en plus, c'est un nom de guerrière, ça. Et en fait, quand j'ai vu son commentaire, en fait, je trouvais qu'elle ressemblait à Antiope. Je trouve que tu ressembles à Gina Carano. Gina Carano. Et c'est celle qui joue Angel Dust. Angel Dust dans Deadpool. Et Deadpool, il va pas faire le malin face à Angel Dust, hein, parce qu'il se fait défoncer. Alors même s'il est bon, même moi, si moi je suis Deadpool dans Deadpool, et que je suis invincible, immortel et tout ça, et que j'ai plein de techniques de Kung Fu et tout ça, et que je me tire des balles dans le trou de balle. D'ailleurs, dans Deadpool, il n'arrive pas à battre Angel Dust, il se fait défoncer, il est obligé d'appeler ses copines pour l'aider. Ouais, c'est clair. Et tu me fais trop penser à Angel Dust, en fait. Elle est magnifique, cette actrice, c'est Gina Carano. Je ne sais pas si tu vois c'est qui, en fait, Gina Carano. Tu me fais penser à Gina Carano, Code 5. Bon, alors je vais t'appeler Antiope. En tout cas, franchement, tu dégages une énergie vraiment incroyable. Et c'est sûr que je te dirai jamais non, hein. Parce que, en fait, tu vois, j'ai l'air comme ça d'être une grande gueule, mais je suis quelqu'un d'intelligent et je vais jamais me mesurer à quelqu'un qui est plus fort que moi. Et tout de suite, quand je t'ai vu, j'ai vu qu'il fallait tout de suite être ami avec toi et pas ennemi avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que toi, tu seras toujours ma reine et que, tu vois, toi, tu es le genre de personne, tu me donnes un ordre et moi, j'exécute. Ça, c'est clair et net. Donc ça me fait super plaisir de te connaître, Code 5 ou Antiope, si tu préfères que je t'appelle Antiope. En tout cas, merci pour tes commentaires, merci pour ta franchise, merci pour ton caractère. Pour moi, c'est un honneur d'avoir des femmes puissantes comme ça sur Five Star Tarot et bien entendu, qui s'expriment librement et tout ça. Tant que vous n'êtes pas des fioritures et que vous ne vous cachez pas derrière des... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire des commentaires et qui mettent des faux pseudos avec des fausses... Et c'est toujours des trucs malsains, toujours des trucs insinueux et indolores, et je déteste ça. Moi, j'aime les gens qui s'assument. Et ça se voit que tu es une personne entière qui s'assume. Et je vais me tenir droit pour toi ce soir. En tout cas, ça ne m'étonne pas que tu sois une femme Sagittaire. Tu respires la puissance même. Donc, Antiope, ça me fait très plaisir. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Donc, merci pour tous vos PayPal. J'espère que vous envoyez des PayPal à LEDB, l'école du bonheur. Et puis, si vous ne le faites pas, ben, faites-le. Et puis, voilà. Et puis, ben, on fait les cancers. Donc, bienvenue sur Five Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. Merci d'avoir recommencé à vous abonner parce que j'ai vu qu'on était resté à 11 000 abonnés pendant longtemps et que là, les abonnements reprennent. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, voilà. Donc, merci d'être là. Et merci pour vos donations, en tout cas. Merci pour vos donations.
Et merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, bienvenue sur Five Star Tarot. Bienvenue à vous les cancers. Et puis voilà. Hein, puis on va faire votre guidance ce soir. Donc, ça me fait super plaisir de vous avoir ici. Bon, il faut que j'essaye ce truc-là là, parce que... Voilà les cancers. Merci à tous les cancers qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour vos likes, merci pour vos pouces. Donc vous voyez, je ne vous oublie pas les cancers. Hein. Vous vouliez que je vous fasse les cancers, et bien je vous fais les cancers. À ce qui paraît, les sushis, ça a été fait pour les Yakuza parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils étaient tout le temps occupés à tuer tout le monde. Donc du coup, on leur a fait des... Je sais, là, en Antiope, tu vas me dire pas parler la bouche pleine, alors pardon. Mais en fait, à ce qui paraît, on leur a fait des sushis, comme ça, ils pouvaient parler business et tout ça. Et moi, en ce moment, comme j'ai plus une seconde pour moi, ben, je mange aussi des sushis. Hein. Voilà, je suis pas un Yakuza, mais bon. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Je vais mettre mes sushis ici. Parce que la dernière fois, j'ai mangé des pâtes et c'était dégoulinant partout sur la barbe et tout. Alors maintenant, maintenant je me fais des sushis, quoi. À la botte. Bon allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Vous savez pourquoi on appelle l'alcool spiritus? Spiritus, parce que ça tue le spirit. Mais bon, j'ai une psyché, comme j'ai une psyché de super guerrier, c'est pas parce que je bois une bidouze que... Voilà. Et là vous allez me dire, ouais mais Jay, machin, tu nous avais dit que... Mais non, c'est de la grenadine, oh là là. Bon, allez les cancers, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, les cancers. Allez, Sun, Moon, Rise, Venus, les guides me disent, ouais, c'est bon, on est là, on est là. Permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Sun, Moon, Rise, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Excusez-moi pour ça. Sun, Moon, Rise, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Sun, Moon, Rise, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Si vous voulez aller voir votre moon sign, c'est la dernière fois les cancers, après j'arrête. Hein. Si vous voulez aller voir votre moon sign, c'est tout ce qui est en rapport avec les émotions. Si vous voulez aller voir votre Venus sign, c'est tout ce qui est en rapport avec le monde professionnel et aussi le monde de l'amour. Et si vous voulez voir quelles sont les énergies que les autres que vous laissez transparaître chez les autres, vous allez voir votre rising sign, votre ascendant. Et si vous voulez connaître votre ascendant, votre placement en Vénus et tout ça, vous allez à la mairie, vous demandez votre lieu et votre acte de naissance avec le lieu, la date et l'heure. Et après, vous allez voir n'importe qui ou vous venez voir la communauté, on va vous dire tout ça.
Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner. Et puis, allez, c'est parti. C'est parti les cancers. C'est parti les cancers. Ouh. Les cartes ont envie de sauter ce soir, là. Ah oui, d'accord, les guides me disent bat ton jeu, d'accord. Oh. Pas la peine de crier les guides, hein. Je suis pas sourd. Hein. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Allez, c'est parti, Cancerians. Je fais des croix celtiques de plus en plus magnifiques. Allez, c'est parti. Wouhou! La carte du Louis XIV ou Louis XV, Louis XVI, la carte de l'empereur, la carte du soleil, énergie des Lions, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et dessous, j'ai pas pu m'empêcher de la voir. On a le Ten of Wands in Reverse. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de déposer votre fardeau. Et on a de Lovers, exactement, énergie des Gemini. Donc c'est excellent. Donc c'est l'énergie du soleil. Ça vient me dire que vous êtes, qu'il y a un soleil puissant qui est en vous, les cancers. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Vous avez le Ten of Swords in Reverse, énergie des Gémeaux. Donc ça peut vouloir vous dire que, bon, bref. En tout cas, surtout ce que ça vient me dire, c'est pas forcément un Gémeaux, mais en tout cas, ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes en train de sortir d'une peine de cœur, mes amis cancers, et je trouve ça plutôt extraordinaire. Votre challenge, c'est la Queen of Pentacles. Donc, la Queen of Pentacles, c'est celle qui sait ce qu'elle veut faire de sa vie. C'est celle qui sait quand faire les bons placements, ou comment, ou ça. C'est celle qui connaît. C'est celle qui sait faire les bonnes équations mathématiques et qui ne se fie pas aux médias, aux merdias, comme on appelle ça maintenant, et qui se fie à son instinct. C'est exactement ce que je venais de vous dire avec la carte de l'ermite, la carte de l'ermite, tout simplement. Regardez, il est en train de tenir une torche là, comme Diogène de Cimérone dans son barrique dans les rues d'Athènes, quand Alexandre vient voir Diogène de Cimérone et dit à Diogène: Diogène, si j'étais pas Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant du monde à l'époque, demande-moi ce que tu veux, Diogène, et je te le donnerai. Et Diogène répondit à Alexandre, et ça tout le monde le sait, il lui dit: bouge de là, dégage de mon soleil. Exactement. Donc voilà. Page of Swords in Reverse. Donc ça vient me dire que vous n'attendez plus que quelqu'un vienne vous voir, que cette personne revient du passé, que cette personne vous apporte une vérité et tout ça. Non, maintenant, vous prenez votre destin en main, vous remerciez la leçon et vous décidez d'avancer coûte que coûte les cancers. Vous n'attendez plus cette personne qui vous a brisé le cœur et cette personne qui revient dans votre vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors peut-être que vous vous séparez d'un Gémeau pour aller vers un Lion, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est l'arcane de la Queen of Wands. Donc ça vient me dire en ce moment que tout le monde est en train de perdre son slip face à vous les cancers. Ça vient me dire que vous allez passer des nuits à vous faire caresser le visage et les cheveux dans un chalet auprès d'une cheminée. Et ça vient me dire que vous êtes la séduction même, mes amis cancers. Ça vient me dire que vous vous lâchez. Ça vient me dire que l'eau est en train de s'infiltrer partout, est en train de faire des vagues, en train de gicler, d'éclater contre les rochers, que la pleine lune est en train de scintiller, que vous faites du bruit sur les galets le soir, que le plancton se met à briller, que les sirènes sortent de l'eau et se mettent à chanter, que les dauphins se mettent à faire des river surf 360 dans les vagues. Ça vient me dire que vous incarnez le tube même, mes amis cancers. Ça vient me dire que vous êtes les boss. C'est exactement ça. Et l'énergie sur laquelle vous êtes en train de vous diriger, c'est encore une décision. Exactement. Donc vous êtes en train de quitter le Page of Swords et vous êtes en train d'avancer vers la Queen of Wands. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de vous concentrer sur votre travail, les cancers. Mais ça va vous amener à une décision. Donc quoi qu'il arrive, le destin va vous rattraper et il y a quelque chose qui vient vers vous, mes amis cancers. Quelle est cette chose qui vient vers vous? Blah! Le Ten of Cups. Donc ça, c'est la famille, c'est le Forever After, c'est les enfants, c'est les 10 coupes qui tombent dans le ciel. Donc ça vient me dire que vous aurez un choix à faire et on vous demande de faire ce choix-là. Ça arrive, les cancers, ça arrive bientôt. Alors je sais, vous allez me dire: ouais, Jay, depuis le temps que tu nous dis ça et tout ça. Bon, écoutez, ça arrive. Et pour tous ceux qui... Alors oui, il y en a une qui est venue me voir sur les Vierges hier. Bon, je l'aime bien, je dis une, je la respecte. Enfin, je respecte, mais alors, les gens qui me disent: ouais, mais c'est pas mon reading, mais c'est pas mon reading, qui viennent me voir à chaque fois pour me dire: c'est pas mon reading, mais arrêtez de venir voir mes readings.
Ou alors qu'ils me disent, ouais, mais c'est pas mon histoire et c'est pas l'histoire de tout le monde. Écoutez, si jamais tout se passe bien dans votre vie et que vous êtes dans votre petit lit le soir avec vos deux petits mouffetons, vos petits mouffetards, là, vos machins, et que vous êtes en train de lire votre petit livre avec votre mari à côté qui est en train de lire son livre ou votre femme qui lit son livre et que tout se passe bien, qu'il y a le chien qui est allongé sur le lit et les enfants sont couchés et tout ça. Venez pas me voir, venez pas voir un tarot reader et ensuite me dire ouais, je suis désolé, mais ton reading, machin, c'est nul et tout ça. Je veux dire, forcément, enfin, c'est pas non plus ceux qui sont au bord du suicide sur un pont et qui vont sauter dans l'eau et qui se disent bon, je vais aller regarder Five Star Tarot avant de sauter dans l'eau et tout ça. Ça veut rien dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tout va bien dans votre vie et que c'est la petite routine, venez pas me voir en me disant que c'est pas que je machin. Enfin, je veux dire, si tout est bien dans votre vie, si tout est parfait, si ça vous parle pas, eh ben venez plus aller voir d'autres chaînes qui vont vous raconter exactement les mêmes choses d'ailleurs. Je veux dire, voilà quoi. Je veux dire, c'est le tarot, c'est trépidant. Hein, c'est pour ceux qui sont encore. Et puis si vous êtes, je sais pas, si vous avez 95 ans, que vous êtes déjà marié, que vous avez déjà eu 10 enfants, que tout est passé, bon, venez voir ça pour comme de la détente. Mais je veux dire, là, votre train, il est passé, quoi. Bon, vous allez me dire, le mec il s'emporte tout seul, ça veut absolument rien dire ce que je dis, mais bon. Excusez-moi, je suis complètement cinglé. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment ridicule, je suis vraiment désolé les cancers. Je sais, je suis vraiment une fablette. Il y a des potes qui m'ont dit, ouais, des fois tu ressembles à une fiotte. Mais ils ont raison, hein, franchement. Donc, ok les cancers. Le Ten of Cups. Donc ça vient me dire que c'est du lourd, là. Il y a un petit oiseau, là. Un petit canari, là. Donc lui, ça vient me parler de communication. Et regardez. Ace of Pentacles. Ça, c'est au niveau de la famille. Donc ça vient me dire que vous êtes des providers. Ça vient me dire que vous prenez soin de votre famille. Ça vient me dire que vous n'allez pas laisser votre famille tomber. Et ça vient me dire que vous êtes le mâle alpha et que vous allez construire pour toute votre famille. On sait que vous êtes très famille les cancers et je pense que vous allez mettre toute votre famille en l'air, mais aussi, enfin en l'air, c'est une expression créole, vous allez prendre soin de toute votre famille et vous allez vraiment faire en sorte de que tout le monde soit content dans votre famille. Le papa, la maman, les frères, les cousins et tout ça. Et même les amis, même vos amis proches. Je sens que vous allez tellement amasser des fortunes et des millions que vous allez mettre tout le monde au chaud. Vous allez mettre tout le monde au chaud, les cancers. C'est ce que vous allez faire parce que vous êtes des boss. OK? D'ailleurs, votre constellation, ce n'est pas le cancer, hein, ce n'est pas le crabe, hein, c'est le scarabée, c'est la connaissance, c'est le yin et le yang, c'est la puissance même. Exactement. C'est le symbole de la technologie chez les Égyptiens. Pourquoi? Parce que les scarabées, c'est eux qui connaissent la lévitation, c'est eux qui connaissent. Qui sont reliés avec la voûte céleste, c'est eux qui connaissent le GPS, c'est eux qui connaissent tout ça. L'ère antigravitationnelle passera par les scarabées et c'est aussi le symbole de la richesse. Hein. Hobbs and Fear, vous en avez plus. Vous en avez plus les cancers, vous avez plus de Hobbs and Fear, vous êtes en train de lâcher prise. Ce qui vous amène à sortir de la peine de cœur. Vous êtes en train de sortir de la peine de cœur, vous êtes en train de sortir des épurations. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les cancers? Votre jeu, il est magnifique. Et maintenant, on va aller voir quelles sont les bonnes surprises qui s'en viennent pour vous, les cancers. Merci, mes guides. Et j'oublie pas de couper mon jeu. On va voir quelles sont les bonnes surprises qui s'en viennent pour vous, mes amis cancers. Allez. Oh, la carte du chariot, la carte des cancers, l'arcane de la conquête, de la victoire, de celui qui quitte la ville pour aller vers l'aventure, la carte de la puissance, une énergie rapide. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de perdre son slip. C'est peut-être une Sagittaire. Elle m'a dit, j'ai déjà oublié son nom, là, mais elle m'a dit, ouais, you are mine. La fille, là. J'ai oublié son nom. Code 5, elle m'a dit, you are mine. Eh ben, c'est une énergie comme ça qui va venir vous chercher, les cancers. Donc préparez-vous à perdre votre slip. En plus, vous êtes des petits sensibles, les cancers. Et vous, les cancers, je vous verrais bien avec une femme sagittaire, en fait. Une femme qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut. Parce qu'en fait, vous, les cancers, vous n'êtes jamais en train d'initier. C'est jamais vous, en fait. Bon, après, vous pouvez perdre la boule, mais vous êtes plutôt, non, rentré dans votre carapace, non. Donc il faut que ce soit quelqu'un de caractère qui vienne et qui vous embrase, un truc comme ça. De love at first sight.
Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de plutôt pas mal qui vient vers vous, les cancers, là. On a sorti l'énergie du chariot. Ça a l'air d'être puissant, hein. Ça a l'air d'être vraiment puissant. C'est bon quoi, mes guides? Non, c'est pas bon. Désolé, les cancers, ils me disent que c'est pas bon. Allez, mes guides sur Spirit Gaz, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur cette énergie qui vient à mes amis cancers, s'il vous plaît? Ouh, je suis excité de faire votre jeu ce soir, les cancers. Vous êtes au top of the game. J'adore, j'adore. Quand c'est bien comme ça, on a envie d'en faire qu'une seule. Hein. Ouh! Alors, les cancers. Six of One in Reverse. Ça vient me parler de pétrification dans le passé. Ça vient me parler d'énergie flamme jumelle, mais in reverse. Et ça, c'est l'énergie qui vient vers vous. Donc, c'est une personne, en fait, qui comprend, en fait, qu'elle a fait une énorme boulette. Je sais que je vous l'ai déjà dit avant et que je vous le réitère. Mais les choses prennent leur temps. Alors, pour tous ceux qui vont me dire « Non, mais machin, arrête de nous répéter la même chose. Je ne fais que retranscrire les cartes. » C'est pas de ma faute. Je veux dire, je sors les cartes, les amis. Je sors les cartes. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire passer. Les choses arrivent en temps et en heure. C'est votre énergie. OK, les cancers? Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Parce qu'elle a le Six of One in Reverse. Donc, elle se rend compte qu'elle n'a pas eu son désir le plus puissant au monde, qui est le cancer. Et donc, cette personne, quelle est l'énergie qu'elle a en ce moment? C'est le Four of One. C'est le Forever After. C'est le mariage. C'est le mariage. C'est l'énergie des flammes jumelles. Et on a quoi dessus? On a le Judgment, donc la carte de la seconde chance. C'est la seule carte que je considère de tout le tarot qui est un ex qui revient du passé. C'est quelqu'un qui est en train de se faire une putain de réalisation et qui se dit « Putain, il faut absolument que je sois avec mon cancer. » Et vous avez le King of Swords in Reverse. Donc ça veut me dire que cette personne, elle en a marre d'être rationnelle. Elle en a marre d'être là, elle a envie de cracher ce qu'elle a là-dedans. Elle a envie de vous dire toute la vérité. Et du coup, cette personne, en fait, elle vient vous voir. Cette personne, elle n'a pas pu venir vous voir avant parce qu'elle était en train de se réaliser professionnellement. Et ça vient me dire, mes amis cancers, que cette personne, en fait, elle est célibataire et c'est une personne qui a un grand cœur. Et je sais, vous allez vous me dire, c'est pas possible après tout ce que cette personne a fait, mais cette personne, regardez, c'est une carte de communication. Ça fait longtemps que cette personne, elle a voulu parler avec vous, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle avait ses raisons, les cancers, et que vous allez savoir bientôt. Je parle de hommes et femmes, bien entendu. On a l'empereur in reverse. Donc ça veut me dire que cette personne, elle sait que elle a pu, elle sait que elle a envie, elle a plus envie d'être dans cette autorité froide et tout ça, mais elle est guidée vers vous. Hein. Elle est guidée vers vous, c'est clair et net. Et elle est en train de sortir du jail of the mind. Elle est en train de prendre les bonnes décisions en ce moment. L'univers est en train de l'amener à prendre les bonnes décisions. Regardez, on a le Page, on a le Prince of Cups sur le Ten of Pentacles. Ça vient me dire que cette personne ne vous délivre pas cette coupe d'amour. Mais c'est ce qu'elle veut, hein, c'est ce qu'elle veut pourtant. Mais en tout cas, voilà, cette personne, elle va venir vous dire une vérité. Elle va vraiment venir vous dire une vérité. Elle va vous dire la vérité. Vous allez avoir la vérité. Et cette personne, voilà, elle a peur, hein, elle a peur de vous avouer cette vérité. Hein, elle a peur de vous avouer cette vérité. Mais regardez, qu'est-ce qu'on retire en dernier? C'est incroyable, vous aviez le soleil en première place et cette personne, il y a le soleil. Donc ça vient me dire, vous savez ce que ça vient me dire ça? Écoutez-moi bien les cancers, ouvrez bien vos oreilles. Ça vient me dire que vous avez la meilleure guidance de tous les temps de ce que j'ai fait sur Five Star Tarot. Ce soir, c'est la meilleure guidance. C'est la guidance la plus puissante, c'est la guidance number one. Vous avez la palme d'or. Vous savez ce que ça vient me dire, ça les cancers? En dos de deck, Sun in reverse pour vous. Et là, le outcome, Sun en outcome pour cette personne, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire relation flamme jumelle. Ça veut dire réunion. Ça veut dire réunion, mes amis. Et ne foirez pas ça, les cancers, parce que vous allez apprendre une vérité qui va vous faire très mal, mais c'est parce que vous êtes prêt à la prendre dans la tronche. Et ça va vous faire aussi super plaisir. Et je pense qu'il est temps de mettre... Il est temps... Oh là 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 là, ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud bouillant. Ça va être un truc de ouf. Hein. Ça, c'est vraiment la... Pour moi, c'est la palme d'or. Hein. C'est vraiment la palme d'or. Alors, je pense que cette personne ne s'avance toujours pas vers vous. Hein. Elle ne vous dit rien. Elle n'ose pas venir vous voir. Mais en tout cas, cette personne, elle a énormément de sentiments pour vous. Et elle est en train de s'en rendre compte. Et
Je pense que toutes les personnes dans sa vie, vous savez, dans les relations flammes jumelles, il y a toujours le karmique, le papa, la maman, une histoire de boulot, une histoire. Mais là, cette personne-là, elle vient de faire une grosse réalisation. Et maintenant, souvenez-vous, il y a le chariot qui a sauté, hein, les guides me le font remarquer. Donc ça vient me dire qu'il y a un truc qui est en train de se passer là. Je suis en train de cacher l'étiquette parce que sinon, je vais me faire. J'ai pas envie qu'on me démonétise ma vidéo. La plus puissante que j'ai jamais faite sur Five Star. Donc vous avez de la chance. Vous avez de la chance, les cancers. Vous avez vraiment, vraiment de la chance. Hein. Extraordinaire. Franchement, elle est extraordinaire cette guidance. Félicitations, les cancers. Franchement, félicitations. Non. Je ne sais pas si ça va arriver maintenant, hein. Mais en tout cas, c'est des énergies du moment. Donc, continuez à être dans des super énergies, les cancers, hein. Franchement. Continuez à être dans des super énergies, hein. Vous êtes vraiment extraordinaire. Et cette personne, elle est en train de sortir du jail of the mind. Donc, il lui faut encore un petit peu de temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle vient vers vous. J'ai l'impression que cette personne, elle se pose des questions. Elle aimerait savoir c'est quoi exactement votre compte en banque. Ben, je pense qu'elle s'en rend même pas compte. Et vous, je pense que vous vous en rendez même pas compte non plus. Cette personne, elle est en train de se demander. À quel point vous êtes blindé, mais moi j'ai l'impression que vous vous en rendez même pas compte à quel point vous allez être blindé. Il va vous arriver un truc incroyable. C'est clair et net. Donc continuez comme ça. Allez, on va aller demander quelques conseils de l'univers. Elle est vraiment incroyable cette guidance, les cancers. Cette personne, elle a envie de venir vous déposer un fardeau là. Mais elle est en train de s'y préparer, elle est en train de s'y préparer. Il va falloir que je sois un peu plus distingué si. Parce que quand je vois qu'il y a des femmes comme Code 5, Code 5 sur ma chaîne et tout. Les guides me disent, bah ouais, j'ai franchement fait un effort, quoi. Il y a des top modèles qui regardent ta chaîne. Il y a des femmes super belles, super intelligentes. Arrête de faire n'importe quoi. Mais arrêtez de vous exciter là, c'est bon là. Oh là là. Non mais c'est vrai quoi. Bon, enfin bref. Je vais vous mettre Krilin, les cancers. Vous allez me dire, ouais, pourquoi tu nous mets Krilin? C'est le plus nul. Non, c'est pas le plus nul. Krilin, c'est le seul qui vient pas de la planète Namek. Il est un petit peu comme la meuf de Sangohan, là, comme Videl ou comme Yamcha et tout ça. Krilin, c'est le jeune moine Shaolin qui s'est entraîné sur les montagnes et tout. Et il est balèze parce qu'il s'est mis à voler tout seul. Je veux dire, Krilin, il est peut-être nul dans Dragon Ball Z. Et encore. Mais sur la planète Terre, il n'y a personne qui arrive à côté de lui. Je veux dire, on pourrait tous s'y mettre en même temps. Tout le village, là, on n'arriverait pas à battre Krilin. Il est invincible. Et en plus, c'est lui qui a chopé. Ben voilà, je vais vous mettre Krilin. Et je peux vous dire qu'il y a C18 qui arrive vers vous, là. En plus, franchement, Krilin, dans Dragon Ball Z, c'est celui qui a chopé la plus canon et la meilleure. Parce que bon, Bulma, elle est extraordinaire aussi, elle est super intelligente et tout ça. Chichi aussi, elle a son super caractère. Mais bon, faut pas se cacher, C18, c'est quand même, voilà, c'est un cyborg. Et Krilin, il a quand même chopé C18. Donc voilà, donc vous allez réussir à choper C18 en fait. Hein, et c'est C18 qui est en train de revenir vers vous. Ben voilà, exactement. Krilin, vous étiez avec C18 et C18, elle est occupée à faire autre chose. Et maintenant, elle se rend compte de l'amour qu'elle a pour vous. Et elle est en train de revenir. Et ça va être la naissance de la petite Maron. C'est ça? C'est Maron. C'est A M A 2 R O N ou M A R O N? Bon, je vais mettre
Le titre de votre guidance, ce sera Mariage avec ses 18 et Maronne viendra après. Et après, si jamais ça prend un R ou deux R, vous me le dites et puis je corrigerai après. Mais bon, c'est vraiment extraordinaire, hein. Franchement. Elle est puissante cette guidance. En fait, j'ai même pas envie d'en faire deux ce soir, là. Elle est trop puissante votre guidance, les cancers, franchement. Oh là 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 là. Tu vas être contente là, Sylvie, hein. Toi, c'est C19 qui va venir pour toi. Allez, mes guides sur Spirit Gas, quelques conseils. Quoique Sylvie, elle n'est plus là, elle est partie se reposer un peu, elle m'a dit là. Allez, conseils, s'il vous plaît, mes guides, pour que ça se passe bien pour mes amis cancer. Il est vraiment cool ce jeu, franchement, je ne m'y attendais pas. Hein. Je ne m'y attendais pas, les cancers. Première carte, c'est l'arcane qui vous correspond le plus, mais ça me fait flipper les cancers. Blah! Le chariot, la puissance, la victoire. Celui qui ne tient pas les rênes du sphinx qui l'amène vers la victoire. Le signe de la sexualité sacrée aussi, la puissance qui quitte la ville pour aller guidé par son cœur, guidé par les étoiles. Le chariot, énergie de conquête, énergie de victoire. Regardez ça, il y a une vérité. Il y a une vérité qui arrive à toute vitesse. Il y a une vérité qui arrive à toute vitesse. C'est peut-être un signe d'air. Hein. Ben, d'ailleurs, c'est du 8, elle est. J'avais mis. Ouais, c'est peut-être un James. Hein. C'est peut-être un Gémeaux. Hein. Ou un Verseau. Mais en tout cas, on vous demande de ne pas être sur la défensive. On vous demande d'être des adultes. On vous demande de pardonner. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. On vous demande de ne pas être. De ne pas vous renfermer sur vous-même. De ne pas. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, les cancers. Ne faites pas de complexe d'infériorité et tout ça. Hein. Franchement, regardez, on vous demande de ne pas être sur la défensive. On vous demande de ne pas être sur la défensive. Vous êtes au-dessus des... On vous demande de ne pas être, de ne pas vous battre contre le monde entier. On vous demande de ne pas vous battre contre votre désir le plus profond. C'est exactement ça. Regardez, vous avez l'ermite et vous avez Bon, il va être plus long que prévu ce reading. Et puis, vous savez quoi? C'est pas grave. Je vais prendre mon temps parce qu'il est vraiment extraordinaire. Vous avez le Hermite, le King of Swords, et vous avez la Reine des Deniers in Reverse. Donc ça, regardez, ça veut dire que on vous demande d'écouter votre cœur. On vous dit que maintenant, c'est le moment où vous allez pouvoir vraiment voilà, sortir de votre solitude. Vous avez été assez en présence de vous-même. La solitude, c'est la présence de soi-même. Donc, vous avez assez été en solitude. Et on vous dit en fait... On vous dit que maintenant, le temps de l'action arrive. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc voilà, le temps de la séduction arrive. Et il y a quelqu'un qui garde les choses. Hein. Il y a quelqu'un qui garde les choses, qui a un lourd secret à vous avouer, hein, les cancers. Hein. C'est un lourd secret. C'est pour ça que ça a pris du temps. C'est pour ça que ça a pris du temps. Et vous savez, les cancers, je pense que des fois, vous devez vous poser la question, vous devez vous dire, mais pourquoi c'est pas arrivé avant? Pourquoi c'est pas arrivé avant? Mais c'est parce que vous êtes passé par une souffrance, par une attente longue, les cancers, et que il fallait qu'il y ait un retour de karma. Il fallait qu'il y ait un retour de karma, il fallait qu'il y ait un retour de justice, il fallait que l'univers tout entier, en fait, que la personne en face, que l'univers, que tout le monde, en fait, que tout cet écosystème, qu'il y ait un juste équilibre des choses pour que la leçon soit assimilée. Pour que la leçon, c'est ce qu'on appelle le karma. Il fallait que tout soit mis à plat et que tout soit tranquille pour que les choses puissent se faire dans un esprit tranquille. C'est exactement ça. Il y a eu des trahisons par le passé. Et maintenant, vous avez une chance de pouvoir ouvrir votre cœur, de pouvoir pardonner. Et c'est votre plus grande puissance, mes amis cancers. Il y a eu un abandon par le passé. Mais on vous demande de laisser tomber le passé. On vous demande de laisser tomber le passé. Ça ne veut pas dire de laisser tomber votre ex.
Ça veut dire que vous devez laisser tomber l'image que vous avez de votre ex, l'image que vous avez de vous-même dans le passé. Vous n'êtes plus la même personne, vous vous êtes transformé. C'est ce qu'on appelle une mutation. C'est ce qu'on appelle une mutation. N'ayez pas peur des changements, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de... C'est pas encore le moment du départ. Et je sais que c'est pas encore le moment du départ. Si jamais tout devait se faire maintenant, vous ne seriez pas prêts, les cancers. Donc prenez votre temps, vous avez encore... Dites-vous bien que ce n'est pas n'importe quoi là, hein. C'est une relation de destinée, c'est une relation flamme jumelle, c'est quelque chose de puissant, mes amis cancers. C'est quelque chose qui va porter le monde. Je pense que vous allez comprendre une énorme leçon, les cancers. Vous allez comprendre que... Et c'est pas que vous aussi, c'est cette personne. J'ai l'impression que cette réunion va vraiment... Vous savez ce que ça vient me dire, ça? Vous savez ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que l'amour vaincra. Ça vient me dire que toutes les personnes qui ont été impliquées là-dedans vont comprendre une chose, c'est qu'il n'y a rien de plus fort que l'amour. Il n'y a rien de plus fort que le pardon. Il n'y a rien de plus fort que la force. C'est-à-dire que la tristesse, les manigances, l'argent, le poids des responsabilités, toutes ces forces de l'univers, toute la leçon qui vous a séparé, je pense que vous allez me comprendre, les cancers, mais qu'il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Et il va y avoir la naissance d'un enfant aussi, les cancers. Il va y avoir la naissance d'un enfant. Et ce sera pas... Ne pensez pas que... Je sais que vous êtes venu amené à douter de vous, les cancers, à penser que vous n'étiez pas suffisant, en fait. Et vous allez comprendre que tout ça, c'est faux, en fait. Vous allez comprendre que ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est ça le plus important. C'est votre amour de vous-même. Et c'est aussi parce que vous avez décidé de vous aimer vous-même que toutes ces choses sont en train d'arriver, mes amis cancers. Donc c'est un très très beau jeu et je suis très content de vous l'avoir fait. Ça m'a fait super plaisir. Mais bon, c'est pas, c'est, il y a toujours cette personne, elle a toujours du mal à vous parler. Elle a toujours du mal à vous parler et laissez le divin s'occuper de. Vous continuez à être léger, continuez à vous occuper de votre vie, continuez à être cool et vous allez voir que tout va bien se passer, mes amis cancers. Allez, je vous tire une dernière carte. Et ensuite, je vais passer à je vais quand même peut-être faire les béliers pour ce soir. Je ferai les poissons demain. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un très très beau jeu, les cancers. C'est un très très beau jeu. Autant le jeu des scorpions m'a ému, autant le vote me donne de la niaque, autant celui des sagittaires m'a fasciné. Des fois, je regarde, il y a des guidances comme ça qui me fascinent, qui sont... Bah ouais, c'est l'histoire, ça veut dire c'est pas moi qui les invente, les histoires, hein. Je pense que vous l'avez compris depuis le temps. Cette personne, elle est encore en train de... Il va se passer un truc là, il va se passer un truc. L'effort, encore une carte 11. C'est les Sagittaires qui l'avaient sorti hier, ça. Non, les balances. Il y a peut-être un voyage aussi, il y a un déplacement, les cancers, qui va devoir se faire. C'est pour ça que commencez à vous préparer mentalement maintenant, à savoir où est-ce que vous voulez aller. Commencez à vous préparer mentalement de où est-ce que vous voulez habiter, où est-ce que vous voulez acheter, je ne sais pas moi, une maison. Quel est le style de vie que vous aimeriez avoir? Plus à la campagne, plus en ville, loin de chez vous, loin de votre famille, tout ça. Commencez à réfléchir à toutes ces choses parce que ces choses sont en train de se mettre en place. Mes amis cancers, donc préparez-vous. Vous êtes en train de gagner en maturité là, donc c'est une très bonne chose. L'effort, continuez votre effort. Vous faites un gros effort sur vous-même. Hein.
Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement en vous. Exactement. Sinon, vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. Je pense que vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs, les cancers, et vous allez devoir vous fier à vos intuitions. Vous êtes le signe du zodiaque qui avait la psyché la plus puissante du zodiaque. Vous allez devoir vous fier à vos intuitions, mes amis cancers. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance, mes amis cancers. Je vous dis à très bientôt pour la grosse saison. Allez, bise.